Bon, vous me connaissez, ça en fait YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour un unboxing de l'amiibo, non, le Pop Evoli, Eevee en anglais. Evoli dans une langue sans le accent aigu, je ne sais même pas. Peut-être en espagnol. Donc c'est juste une Pop géante en fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je vais, hop! Alors, sachez que c'est pas ma première pop géante. J'ai une pop Mew 2 géante et j'ai une pop Pikachu géante aussi. Voilà. Alors, pour celle-là. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment garder les emballages de pop. Moi, je vous avoue que ça m'encombre beaucoup. J'ai pas beaucoup, beaucoup de place chez moi. J'aurais pas dû d'ailleurs acheter cet Evoli géant. Mais. J'ai pas pu résister parce qu'il est trop mignon. Allez, viens là. Et voilà, il ressemble à ça. Il est archi mignon. Oh, franchement, il est. Je pense qu'il est encore plus réussi que le Amiibo Pikachu, j'ai l'impression. Il est joli le Amiibo Pikachu aussi. En fait, j'ai dit Pikachu, ne te fâche pas. C'est pas ce que je voulais dire. Mais vraiment, les couleurs sont réussies. Les yeux, la glossy sont réussis, les oreilles sont réussies, les poils sont réussis. C'est du sans faute. Et même sur le côté, derrière, il y a la queue. Vraiment très très joli. J'avais un petit Evoli que j'ai acheté. Les peintures aussi, elles sont nickel. Vraiment, je trouve mieux que la Pikachu, sans rigoler. Désolé Pikachu, mais... Là, t'as de la concurrence, quoi. Ah, il est vraiment beau. Voilà. Bah écoutez, je peux que vous le recommander. Surtout que je trouve pas très cher pour la qualité que c'est. Il est assez lourd aussi. Il est assez lourd. Je pense pas qu'il soit plein, mais il y a une bonne dose de plastique, quoi. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à chez Otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur Otaku Game. Ciao, bye bye. Je l'ai eu chez Game Cash Fort de France pour ceux qui se posent la question. Ciao, ciao.